Bien-aimé, j'espère que de là où tu es en train de faire monter des acclamations en l'honneur du Seigneur. Cela veut dire battre des mains, mais aussi pousser des clameurs en son honneur. Notre Dieu est digne de recevoir toute la gloire, la louange et l'honneur. Peut-on l'acclamer en Seigneur? Peut-on pousser des cris de joie en son honneur? Tu es digne d'être adoré, digne d'être célébré. Tu es digne. Recevoir la gloire, tu es.
suis sûr, je me Nous voulons dire, Seigneur, nous voulons t'aimer pour qui tu es et non pas pour ce que tu donnes. Nous voulons t'aimer pour qui tu es et non pas pour ta main. Ah, est-ce que tu veux chanter avec moi aujourd'hui? Alors je
t'aimer, pour t'adorer, pour qui tu es. Alors que nous nous approchons de toi, Seigneur, nous le faisons pour t'offrir notre sacrifice d'adoration. C'est en réponse à ton amour pour nous. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'agit de t'adorer, je ne laisserai rien ni personne le faire à ma place. Toi seul est digne, notre Dieu, de recevoir l'adoration la plus sincère qui monte de nos cœurs. Qui monte de nos cœurs. Peux-tu faire monter ton adoration? Oh, faisons monter notre adoration. Étais-tu à toi? Je sais ce que tu as fait pour moi. Tu ne peux t'adorer pour moi. Pour tout ton amour pour moi, tu ne peux t'adorer pour moi. Peux-tu faire monter? Je viens t'offrir mon adoration. Mon adoration. Dis-lui, Seigneur, reçois toute mon adoration. Sans rien retenir. Mon adoration. Viens t'offrir. Bien plus qu'un chant, c'est ma vie entière. Je renonce à mes projets pour prendre ton joug. Reçois mon ne peut t'adorer, Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Tu ne peux t'adorer, ni les pierres, ni quiconque, en pour tout ton amour pour moi. Ton amour pour je ne laisse. Personne
notre vie que nous voulons te laisser faire.